Au Burkina Faso, les espoirs s'amenuisent alors que les mineurs sont toujours pris au piège dans les sites de fouilles de Percoa. En attendant l'aboutissement des efforts de sauvetage engagés par le gouvernement, un comité de crise a été installé ce 5 mai et une enquête ouverte pour déterminer les causes de l'incident. Rappelons qu'en date du 16 avril, des eaux d'inondation ont englouti 6 Burkinabés, un Zambien et un Tanzanien dans une mine de zinc. Nous ne sommes pas notre premier incident dans le cadre des opérations d'extraction minière au Burkina Faso. Et bien souvent, ces incidents apparaissent dans des mines illégales. Donc cela pose la problématique de l'application des tests, notamment les conditions liées à l'autorisation d'obtention des permis d'exploitation minière et des problématiques liées à la sécurité, à l'hygiène, à la qualité de l'environnement sur les sites miniers. Dans certains pays africains, les mineurs travaillent dans des conditions dangereuses, loin des normes de santé et de sécurité qu'on attend dans l'exploitation minière. Ainsi, la responsabilité des compagnies minières est engagée. Celles-ci doivent de plus en plus œuvrer à assurer la sécurité des travailleurs selon l'avis des spécialistes. Tant que nous ne ferons pas ces grands pas après des réformes réglementaires institutionnelles, nous aurons toujours assisté à ce type d'incident. Nous y voyons malheureusement une négligence de la part aussi bien de l'État et certaines compagnies minières qui refusent de déclarer certains sites miniers qui sont en cours d'exploitation. Donc c'est une problématique d'ordre majeur qu'il va falloir urgemment prendre en compte en organisant une table ronde qui va impliquer tous les acteurs du secteur minier, aussi bien le secteur artisanal comme le secteur industriel, pour que nous puissions effectivement avoir une approche consensuelle dans la gestion de ce type d'incident. Mais il faut aller plus loin, en exigeant également que le personnel qui intervient dans la mine soit assuré. À noter que les accidents dans les mines sont fréquents au Burkina Faso. Au moins 59 personnes ont été tuées, des femmes et des enfants blessés, dans une explosion sur une mine artisanale dans le sud-ouest du pays en février 2022.